Anna, ça va? Oui, alhamdoulilah, et toi, ça va? Ça va tranquille. Alhamdoulilah, je n'ai pas été demandé. Anna, j'allais parler, je trouve que, qu'en tant que petite fille, je trouve que tu as voyagé beaucoup. Quand je vois toutes les familles marocaines que je connais, je trouve que tu es une personne qui a vraiment voyagé dans le monde. Alhamdoulilah. T'aimes bien voyager? Au début, on a voyagé au Maroc. Ouais. Quand je suis à l'Algérie, j'ai voyagé dans l'Algérie. Ah, t'as fait le tour dans J'ai l'Algérie. fait un peu de tour, oui. J'ai été à Bouhnoufia, j'ai été à Adige. J'ai zour un peu, il y a beaucoup de Loualia un peu dehors de l'île. Alhamdoulilah, j'ai tout visité, ça va. Mais ici, à Belgique, on est parti au Maroc. Ça, c'est normal pour voir la famille, tout ça et tout ça. Alhamdoulilah. Et après, tu as été Après, en Italie, tu as été à Venise. j'étais à Venise, j'étais d'abord à l'Hajj, alhamdoulilah, j'ai été à l'Hajj beaucoup de fois. Et après, j'ai été à Venise, on a été à Messer, En Égypte. égyptien, oui, avec ta maman. J'ai été avec ta maman quand elle menait les petits. Tu as été en Elle est Turquie. grecque. En Grèce, oui. Grèce. Les Turcs, j'ai 4 fois la main. Ah, oh, quand même, hein? Monsieur Mardi, j'ai une fois, Monsieur Makouza, deux T'es venu avec fois. moi aussi? Monsieur Maka, avec le Mara. Alhamdoulilah, Monsieur le Turc. Ah, tu dois quand même dire que tu as été aussi loin. Où on a été, toi et moi? On a été où? Turquie. Non. Comment t'as pu oublier ce voyage? Américaine. Ouais. On a fait l'Amérique. T'as été à New À cause de York. toi, on a fait l'Amérique. À Parce cause de que. moi ou bien grâce à moi? Grâce à toi, parce que comment c'était chez l'Amérique, voilà, chez Natahna, dernière la visite. Hein. Et t'as aimé New York? Oui, New York, il est beau, c'était un grand pays, c'était beau. Mais t'as pas aimé le café. Café, Hein? c'est pas, j'ai pas aimé. Le café, normalement, j'ai vu le café normal. J'ai vu le café normal, il m'a donné un petit café. Dans les verres. J'ai dit, c'est quoi ça? Non, parce que tu trouvais que le grand café, c'est on dirait de l'eau. C'est ça l'histoire. Oui, j'aime pas Raconte le léger l'histoire. café. Donc le Voilà que j'aime café. bien le café normal. Mais le café normal pour toi, c'est pas le café normal aux États-Unis. Oui, mais les États-Unis, c'est pas un café normal, sans normal. Il m'a donné rien qu'un petit peu dans le verre. J'ai dit, c'est quoi ça? Je vais boire Mais ça. l'histoire, c'est pas ce que Mais il y tu. a de l'eau dans les thermos. Pour faire de l'eau, qu'est-ce que tu veux? Non, en Et moi, fait, toi, tu je. voulais. T'en avais marre du jus de chaussette. T'en avais marre du café avec de l'eau. Quand tu demandes un bête café, il y avait beaucoup d'eau. Donc on a demandé le plus concentré. Et ça s'appelait Ouais. Adopio. Oui, Et en fait, ils concentré. avaient mis 4 gouttes, 4-5 gouttes. Voilà. Et t'avais fait. Et donc, en C'est beaucoup. fait, pour la petite histoire, C'est Hannah a fait un beaucoup. J'ai scandale. commencé à disputer avec le monsieur en français parce qu'il n'y a pas de français là-bas, rien que l'anglais. Et donc, Hannah, tu t'es disputée au Starbucks. Au Starbucks de New York. Tu nous as fait. Parce qu'elle a cru qu'elle s'était fait insulter, parce qu'il y avait eu quelques petites gouttes de café, mais en fait, un doppio, c'est aussi concentré que ça, c'est pire qu'un espresso. Mais t'as vu la Statue de la Liberté? La statue de la liberté, on a pris le bateau, on a été jusqu'à la statue de la liberté. Oui. De là, on a bien promené. On a été jusqu'à la plage, mais loin, on a pris le train et le métro. C'est comme les trains, comme les métros. Le métro, il reste longtemps. Ah oui, c'est longtemps en dessous de la terre. Hein. Les trajets étaient longs. Les grands américains. Et donc. Et c'est cher le voyage d'Amérique. Ah ouais? Ah oui, c'est cher. Ta maman, elle a payé cher, attention. Hein. Et ça t'a fait quoi ce voyage? T'as aimé? Parce que t'as vu où j'ai travaillé en fait. Tu as été pour faire un peu finir les examens dialectaux en même temps. On a été avec toi, c'est bien. Mais t'as un peu compris pourquoi j'ai été là-bas. Oui. On avait les amis, donc Oui, c'est vrai, t'es venu à les Washington. gentils amis, tout ça. Ça t'a jamais fait peur, Hannah, d'aller dans des voyages où tu connaissais pas les gens? C'est partout, normalement, on ne connaissait pas les gens. Vous, tu as été déjà à l'Amérique, tu connais les gens et tout ça. Oui. Nous, on a été suivis, ça va. Mais Mais t'as déjà été, par exemple, à Venise, tu connaissais à personne. Venise, on a été au groupe avec tous les connaissants de nous qu'on a connus. Et on ne connaissait personne, c'est normal. J'ai la fille de mon frère, mais elle habite loin, parce qu'on a été nous.
Elle habite où? Elle habite 14 km ou 17 km de Venise jusqu'à elle. Ah oui. Dehors de Venise. T'as été en Malaisie? J'ai été en Malaisie la dernière fois, oui. C'était comment? C'est très bien. C'est très bien, Malaisie. C'est vrai, pourquoi? J'ai été avec le groupe Tanim Ziana. C'est passé bien, alhamdoulilah. T'as rencontré des gens? J'ai rencontré les gens, j'ai vu beaucoup de choses aussi. J'ai fait la visite, beaucoup de choses. T'as vu quoi? On a monté dans la Tour Eiffel, le plus long, loin. Les, une tour. Les montagnes malaisiennes. Il y a encore une montagne plus grande. Sinon, les Malaisiens aussi. On a monté dans la Tour Eiffel, on a été visiter les bâtiments qui sont très hauts. Et on a été à les montagnes, on a marché 3 heures dans le bus à la montagne. Malaisie, elle est très bien. Ils sont bien travaillés. Donc, tu as rencontré les gens là-bas, ils sont comment les gens en Malaisie? Non, ça va. Il y a les montagnes, dans les montagnes, c'est la campagne, c'est comme la campagne, mais une autre chose. Il y a la rivière qui descend de haut. Et donc, tu as rencontré des gens là-bas ou pas? J'ai rencontré les gens, de notaires, on a été chez les magasins. Attends, il faut qu'on dise une pause parce que tu vas le dire souvent. Notaire, ça veut dire hôtel. Hôtel. On a été dans un hôtel, c'est normal. Oui. On a vu les gens de l'hôtel et... Mais t'as rencontré les habitants, t'as rencontré des gens dans la rue? On a pris le bus, on a pris le taxi pour aller à la ville et tout. C'était bon la nourriture? La nourriture, c'est très bon. Tu manges qu'est-ce que tu veux. Tu veux les poissons, tu veux comme là partout. Hein. Mais pas partout, tu sais pas manger un couscous veux... là-bas. C'est déjà le matin, ils déposent tout, l'haricot, le macaron, les gens qui mangent déjà le matin, ça. C'est pas comme nous avec les croissants. Non, moi... Il y a des semaines, il y a les œufs. Moi, je les recolle le matin. Les gens, ils mangent ça. Et ça te fait plaisir, Hanan, de rencontrer des autres cultures comme ça? Parce que tu as voyagé quand même. Tu as fait beaucoup de pays quand même. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et qu'est-ce que tu apprends de ces voyages? Tunis encore, je n'ai pas fait Tunis. Tu veux faire la Tunisie? Et le pays à côté de Tunis, comment ça s'appelle de... La Libye? La Libye, avec la Libye. Tu vas aller en Libye? La Libye, j'ai le fils de mon frère là-bas. Il est marié avec un Libye. Il a trois enfants. Mais je n'ai pas été encore jamais. Et tu vas aller? Tu vas encore aller là? Il y a d'autres pays où tu vas aller? Maintenant, je vais aller quelque part. Peut-être que je vais aller encore, Inch'Allah, si tout va bien. Maintenant, je suis assez fatiguée. Ta maman, elle va m'amener quand même, mais non, je vais aller. Mais t'aimerais bien encore voyager, tu veux pas rester ici assise. Toi, t'es quelqu'un qui a toujours bougé, si en fait. Si je peux voyager toute seule, maintenant, c'est magnifique, j'ai vu. Mais Hannah... Ou bien quelqu'un fort à côté de moi. Ouais. Je ne sais pas. T'as été aussi en Palestine? J'ai été en Palestine 3 fois. Et? Al-Quds. J'étais à Al-Quds. C'était comment? 3 fois. J'ai visité tout Palestine. Tout Palestine. Il y a le Jordanie. Il y a le où est-ce qu'ils sont les pays les grands à Palestine. Les grands. Il y a la ville. Il y a la campagne. Il y a beaucoup de choses aussi. Je n'ai pas dit le Hawaïj. T'as des bons souvenirs? Al-Quds, alhamdoulilah, Salina, on visitait Jama, l'étagette aussi. Et Ziyana bzaf. On va dire que le pays que t'as le plus visité, c'est quand même l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et le Quds, j'ai été 3 fois, alhamdoulilah. Pourquoi tu retournes à chaque fois, tu Medina et Mekka? Avec le groupe. Il y a des groupes qui l'ont mais fait. Mais t'as été souvent, pourquoi tu vas souvent? À la Mecque? Oui. Ah, la Mecque, si j'ai la force, je vais aller maintenant aussi. Pourquoi? Tu n'as jamais assez, mais avec le pays, un bon pays. Mais il faut que tu me racontes-nous pourquoi tu vas aller. La Mecque, il y a beaucoup aussi. Il y a le Médina, le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, le Habib. Mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as? Oh, tu vas être bien. Tu as tous les problèmes. Tous les problèmes. Ils s'effacent. Tu as voilà. Comme tu n'as rien de problème. Vous êtes ni nouveau et promené. Il regarde le ciel, il regarde la chaleur de là-bas. Très bien. La Mecque, Mziana. L'Ibrahim, il m'chit la Mecque. Le Médina d'abord,
5 jours ou 7 jours, il passe à la Mecque, il promène après, il va visiter tout. Il y en a beaucoup de visiteurs aussi là-bas. Il y a les villages, il y a les magasins, il y a les restaurants. Comme tous les pays. Comme tous les pays. Mais pourtant, tu retournes souvent là-bas. Comme tous les pays. J'ai tourné souvent, c'est pas pour les magasins, c'est pas pour les promener. C'est pour le Medina, Rasoul Salah al-Salam al-Habib, pour prier dans le Mecca. Et tu demandes quoi quand tu es là-bas? N'aim. Tu demandes quoi quand tu es devant Mecca? Alhamdoulilah, je demande qu'est-ce que je peux. Parce qu'il y a qui lire le Coran, ils savent faire beaucoup de dua, oui. Grand. Mais il y a des gens qui font du dua devant toi, des amis, des amis dans la tawaf. Oui. Ils font le ktab, ils disent du'a, ils disent du'a pour ses amis, parce qu'il a le groupe. Alors tu vas attendre tout, tu dis amin. C'est la même chose pour tout le monde. Et Hana, tu mets quoi? Qu'est-ce qu'il faut absolument dans ta valise quand tu voyages? La valise. En fait, qu'est-ce qu'on a besoin? Mais d'abord le café. Tu prends du café avec toi dans la valise? Le café avec les tasses, c'est pas pour eux. Voilà. Donc le café filtre, tu le mets dans ta valise. Le filtre. Et on prend aussi le café parce qu'il y a la cafétéria là-bas, et on fait la cafétéria. Avoir un cuisinier à la Mecque, un cuisinier nous-mêmes, la marmite, on fait la marmite, on fait le harira, on a fait Ramadan deux fois, inch'Allah, mzian. Et un cuisinier. Mais maintenant, on ne cuisine pas dans l'hôtel, c'est fini. Rien qu'un restaurant, déjà, dans l'hôtel, qu'un restaurant. Ça fait quand même, c'est quand même bizarre parce qu'apparemment, il y a tous les musulmans du monde que tu vois là-bas. Tous les musulmans du monde. Tout, tout. Et ça je fait quoi? Je ne sais pas combien de monde, combien de pays qui viennent. Et ça fait quoi de Hesk qu'il y a tout le monde qui vient pour la même chose? Ah, alhamdoulilah, shukrullah. C'est pour ça que tu mets du'a mziana, salat mziana. À cause de le monde qui vient, parce qu'on dirait qu'il vient du Maroc. Mais le Maroc, combien de pays dans le Maroc? Qu'il y a une Sahara, qu'il y a une Agadir, qu'il y a une Laayoun, qu'il y a une Oujda, qu'il y a une Dalveda. Tout le monde, rien que pour les un pays, regarde combien de monde qui vient. Dans un pays, regarde. Il vient de Oujda, il vient de Berkane, il vient de Nador, il vient de Casablanca, il vient de Rabat. Déjà, Maroc, tu trouves l'Algérie aussi, les grands. Algérienne. Mais là, c'est le monde entier. Ah oui, le monde entier. Ça s'installait l'Algérien là, les Marocains là. Nous, les Sahab al-Kharji, les Malaisiens beaucoup. Ils sont très gentils, les Malaisiens, à la Mecque. Et tu as fait des autres voyages où, comme la Crète, comme Chypre, comme la Grèce, l'Espagne. La Grèce ou l'Espagne, on a fait deux fois ou trois fois, c'est, je crois, mais deux fois. Tu es quand même une femme qui voyage beaucoup. Les gens de ton âge, ils ont voyagé aussi beaucoup comme ça? Et voilà, ça veut, si tu ne veux pas voyager, fais un maison au Maroc, tu vas aller tous les ans. Moi, je n'ai pas de maison au Maroc. Donc, tu préfères voyager. Donc, tu préfères voyager. Moi, je ne fais pas ma maison. Avant, quand je pars au Maroc aussi, par à Rabat, à Casa, à Rador, à Oujda, j'ai un peu la famille partout. À Gadir, j'ai mon frère, mais j'ai été peut-être trois fois chez mon frère. Donc, en fait, même au Maroc, tu voyageais déjà? J'étais à Laayoune une fois, j'ai visité Laayoune, c'est très bien. Mais Hana, il y a beaucoup de tes copines qui n'ont pas voyagé comme ça, on est d'accord? Ils sont à la maison, là, on adore. Ils vont en adorer tout le temps. Toi, là, c'est bien de voyager comme ça partout, c'est parce que tu n'as pas de maison au Maroc? J'ai pas de maison, alhamdoulilah, j'ai vu chez ma famille. Alors, j'ai visité ma famille et j'ai vu visiter les autres familles. En même temps, j'ai vu beaucoup de... Et maintenant, si on peut partir demain, on part où? Maintenant, je dois partir, Inch'Allah, à l'Égypte encore. Tu vas aller en Égypte? Mm-hmm. Donc si demain on a un ticket, on part en Égypte? Pas demain, après l'Aïd, Inch'Allah. Mais quand les gens vont voir la vidéo, ce sera peut-être plus l'Aïd. Donc si demain tu pars, c'est Égypte. Et ils m'ont invité? Oui. Ils m'ont invité où? Mais il faut que tu choisisses. Au Maroc, peut-être. On va au Maroc? Il y a beaucoup de places au Maroc que je n'ai pas vu. J'ai vu Marrakech, j'ai monté en haut dans les montagnes de Marrakech. J'ai vu Agadir, j'ai été chez mon frère, et j'ai visité, j'ai été à Laayoune, j'ai été à Casa, j'ai à Rabat. Mais ça fait quoi une femme qui bouge comme ça? T'as été en pension, t'as commencé à voyager partout? Non, c'est très bien, c'est très bien. Donc ça te fait quoi, toi? Ça te fait du bien? Oui, ça fait du bien, oui. Grâce à mes filles aussi. Hein.
qui m'a fait voyager aussi beaucoup. L'autre fois, on a été visiter les poissons qui sont en France. Tu étais dans un aquarium? L'aquarium. J'étais une fois déjà à l'aquarium, mais maintenant, ils sont rangés, l'aquarium. Il était beau. Ils sont changés. Et tu as beaucoup de souvenirs de tes voyages? Tu te rappelles de J'ai des photos, j'ai beaucoup de... J'ai caméra filmée, j'ai la Mac et tout ça, c'est à la maison. Et s'il y a quelqu'un qui te demande un conseil pour voyager, c'est quoi le conseil que tu lui donnes? Je vais dire, font attention à leur argent. Ils font attention, c'est toujours, tu dois faire attention à tes affaires, que tu ne perds pas tes affaires, parce que si tu perds les affaires, tu vas avoir les problèmes. Alhamdoulilah, moi, je suis voyagé, jamais de problèmes, alhamdoulilah. On a été avec les gens, j'ai laissé mon argent dans l'hôtel, je n'ai jamais porté avec moi tous, et alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es sorti, il faut faire. À la Mecque, il y a des voleurs aussi. Hein. Donc toi, le conseil numéro un, il faut faire attention à son argent. À ton argent, à ton papier. À tes papiers. À tes papiers, il faut voir attention. Et c'est tout. Ça fait. Et tu voyages avec quelqu'un qui te sait bien, tu connais bien. Mm-hmm. Pas tout seul, hein. Avec quelqu'un qui te sait bien. Que tu connais bien. Qui connaît le pays. Ben, Hanna, merci. Voilà. العقوبة كاع اللي ما بغاش اللي بغى شي بلاد يشوفها ولا يزور ولا يتسارى بلاد ملي عنده الصحة ديالو يتسارى ويزور البلدان ان شاء الله وميم طو يدير لي بيان بور سا سانتي اي بور سي ميموار سي مانيفيك زيارة ولكن كوا جيتي جين جو مكيبي دو مو ماري جو مكيبي دو مي زانفا Jusqu'à ce qu'ils sont grandis. Et là, tu as voyagé? Je ne voyageais pas avant de m'occuper de l'enfant. Oui, non, c'est vrai. Ah oui. Mais... Je n'ai pas commencé par voyage. J'ai laissé les... Non. Jusqu'à les enfants, ils sont grands. Le mari, il est mort, là, l'arrahman. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ben, merci, Hanna. C'est la fin de cet épisode. Ça va, choukran bezef. Choukran à tout le monde. C'est la fin de l'épisode des voyages. J'espère que ça vous a nourri. Et on se retrouve pour le prochain épisode.